Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2024. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire donc un tableau général. Je ne vais pas tirer les cartes devant vous, juste les premières et après tout le déroulé. Voilà, je coupe et je reviens. À tout de suite. Alors, voilà ce qu'on vous dit les béliers pour les premières cartes. Donc, la première, c'est reconnaissance et récompense, et ce sera votre carte synthèse. Alors, on vous parle d'être reconnu pour vos efforts, d'être récompensé pour. On a ce 3 de denier qui peut vous parler aussi donc de chance et d'évolution dans un travail d'équipe, dans une relation, association, collaboration. Il y a une grande transformation chez vous. Les béliers, vous allez être reconnus et récompensés pour votre transformation. Pour moi, on a en tout cas ici des énergies masculines. Alors, soit c'est vous. Peut-être que vous étiez jusqu'ici dans l'ego ou à privilégier le matériel ou la famille ou le cartésien, la science ou la sécurité ou je ne sais quoi, ou la fierté. Et on a une énergie féminine qui va reconnaître vos efforts parce que vous-même, vous vous transformez vers une énergie beaucoup plus féminine. Ou alors, ici, c'est la personne en face de vous et vous êtes le féminin, la féminine, et on a quelqu'un qui est en pleine transformation en face de vous, ou peut-être vous, la transformation, c'est de voir clair sur cette personne, sur cette situation. Ça me fait penser au tirage d'hier soir, l'histoire de la lumière à tous les étages. Moi, pour moi, on a des énergies masculines ici qui vont être reconnues et récompensées pour s'être transformées, pour aller vers le féminin sacré, beaucoup plus de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de conscience, de sensibilité. De créativité, de communication, de mise de l'ego de côté, de la fierté. Et on a du coup une clarté quoi dans la situation. Alors même si ça pousse, parce que c'est très bien tout ça, mais du coup il va y avoir des changements professionnels, matériels, financiers, parce que quand on a vécu toute sa vie dans privilégier la matière, la famille, la sécurité, l'argent, le cartésien, la science. Bon, ben forcément, on n'est sûrement pas dans le bon travail, avec les bonnes personnes, dans la bonne famille, dans le bon comportement, etc. Alors, soit c'est ça, donc c'est vous qui passez de vous être reconnu pour une transformation et après il y aura des changements, soit peut-être éventuellement, féminin, féminine, bélier, vous allez beaucoup plus vite qu'une énergie masculine qui peut-être est en transformation, mais n'a vraiment pas fini et loin de l'être, et peut-être aussi est encore reconnue et récompensée et apprécie la reconnaissance et la récompense de certaines personnes pour sa loyauté au clan familial, à la société scientifique, matérialiste, à je ne sais quoi. Et donc vous, féminin, féminine, bah vous êtes parti, quoi. Vous avez vu que cette personne ne changerait pas, ne changerait jamais ou mettrait beaucoup trop de temps. Alors peut-être que ça implique pour vous des changements professionnels, matériels, financiers, parce que peut-être vous avez un travail ou une vie commune ou je ne sais quoi associé à cette personne, pourquoi pas. Ou soit il y a une blessure de rejet et d'abandon qui revient ici. Ben, vous avez l'impression d'être seul et que l'autre ne vous aime pas assez pour faire ce qu'il y a à faire, quoi. Bon, je coupe et je reviens avec la suite. À tout de suite. Re les béliers. Alors voilà ce qu'on me dit. Donc voilà comment j'interpréterai moi le tirage. Donc je vous ai parlé d'une énergie masculine reconnue et récompensée pour sa loyauté aux valeurs masculines. Donc loyauté au clan familial, loyauté à la science, à l'argent, au matérialisme, au côté cartésien, à la bien-pensance, de l'altruisme de la famille et des amis qui passent avant soi-même, ses désirs, son plaisir, sa créativité ou ce qu'on croit, bon tout ça. Et l'énergie féminine, normalement pour moi, c'est plutôt vous. Vous, vous êtes en transformation spirituelle et vous laissez loin derrière cette personne-là, hein, qui est vraiment. Voilà. Parce que pour vous, la lumière et la lumière à tous les étages, c'est complètement autre chose et c'est tout l'inverse. Alors, soit ici l'énergie masculine passe en énergie féminine, donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre.
Vous pouvez l'interpréter comme ça. Soit on a une énergie masculine, c'est l'autre, a priori, et ça c'est vous. Et ici, c'est la colonne de chacun a des changements financiers et matériels à faire ou des petits problèmes à ce niveau-là. Donc, parlons en premier de cette énergie masculine. Alors, l'énergie masculine qui est reconnue et récompensée pour sa loyauté au clan familial, la science, le cartésien, le social, le tout ça. Cette personne lâche prise et fait confiance à ses anges gardiens et au destin parce que effectivement cette personne est reconnue dans son domaine par ses pairs dans le travail ou les amis ou la famille et donc fait confiance au destin et se laisse porter en mode mais moi jusqu'ici tout va bien. Alors cette personne n'a aucune intention de fusionner dans les sentiments au niveau amoureux, que ce soit avec vous, féminin, féminine, ou que ce soit avec qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas de fusion amoureuse. C'est la fusion de quoi on me parle. Moi, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un couple, je suis normale. La fusion des sentiments, dans l'intensité des émotions, de la créativité, de la spiritualité, de quelque chose de profond, je sais pas, ça me parle pas, je vois pas de quoi on parle. Donc on a une énergie masculine qui ne compte absolument pas fusionner dans les sentiments, mais qui est très heureux. En même temps, cette personne est très heureuse. Hein. On a un 10 de coupe, un 9 de coupe, c'est le bonheur. En amour, en famille, c'est un véritable cadeau que cette personne vit. Cette personne se dit, mais moi je suis heureux quoi. Je suis heureux dans mon couple et surtout dans ma famille avec des gens et c'est un véritable cadeau, mais pas tant que ça parce qu'on a une énergie masculine qui commence à se poser des questions. Il y a quand même des conflits et c'est pas tous les jours tant le bonheur que ça. Pendant ce temps-là, une énergie féminine ou cette personne qui basculerait en énergie féminine, je ne sais pas, est en pleine transformation spirituelle et admet peut-être un lien flamme jumelle, un parcours flamme jumelle ou je ne sais quoi, de rééquilibrage de polarité, de lien d'âme, mais va vers un nouvel amour. Bah parce que l'autre ne veut pas fusionner dans les sentiments de l'émotionnel. Donc on va peut-être passer à autre chose, quoi. Donc on a une énergie féminine ici qui passe à un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais qui pourrait du coup se mentir à soi-même. Parce que il y a eu volonté de fusion avec cette personne dans les sentiments, ou qui pourrait mentir du coup à quelqu'un dans une rencontre, mais en même temps cette énergie féminine n'est pas en reste. Alors il y a aussi cette idée de vouloir un enfant. Alors là il y a des gens qui se disent je veux un enfant. Non mais je veux une autre relation parce que je veux un enfant. D'accord, mais si tu veux un enfant, tu peux le faire seul. Hein. Ça existe les banques de sperme, ça existe de trouver un super ami ou quelqu'un qui est beau gosse et intelligent, et tu lui fais une reconnaissance de dette, un contrat écrit, comme quoi tu lui demanderas aucun droit sur l'enfant et de pension alimentaire, et peut-être il sera sympa, il te donnera un peu de sa semence, quoi. Enfin, si tu veux un enfant, tu peux avoir un enfant. Non, parce que l'énergie féminine ne veut pas un enfant ici. L'énergie féminine veut une personne avec qui fusionner dans les sentiments et pour le garder, pour le ferrer, avoir un enfant. Donc attention au mensonge à soi-même pour cette question des enfants. Alors, laissons les questions d'enfants derrière. L'énergie féminine ici va trouver un couple. Ici, on a un roi de coupe, reine de coupe. Donc il y a un couple idéal formé dans l'amour, dans la bienveillance. Alors attention si c'est pour faire des enfants, parce que c'est pour quoi faire. Et du coup, justement, on a une énergie féminine qui va se dire en fait, ce serait pas mature de faire un enfant, parce que c'est un joli couple parental, mais c'est pas un couple amoureux, donc ça va finir par se casser la gueule et se mentir à soi-même et faire comme l'autre. Ou alors, c'est pas très mature de se mentir à soi ou de mentir à l'autre et d'avoir juste quelqu'un pour avoir quelqu'un. Ou alors, c'est quand même pas l'amour de ma vie, mais c'est sympa pour l'instant. Donc on a une énergie féminine qui a la lumière à tous les étages et qui va avoir la lumière à tous les étages et qui va admettre qu'il y a un blocage parce qu'il y a un lien. Il y a quand même un lien avec cette première personne, cette énergie masculine. Et d'ailleurs, l'énergie féminine reçoit des signes. Alors comment faire? Parce que tu peux avoir un nouvel amour, mais si tu es toujours bloqué dans une relation. Alors, il y a plusieurs options. Soit tu admets le polyamour dans ta tête, nouvelle relation pour l'instant, mais toujours une autre dans la tête. Et un jour, on se retrouvera et on sera peut-être à 3, à 4 ou à 10, si tout le monde a ses petits polyamours. Ou soit, tu admets que tu vas avoir quelqu'un juste pour faire un enfant, parce que tu n'as pas envie d'être seul ou tu as envie de ferrer quelqu'un. Donc voilà, et que tu resteras bloqué quand même à penser à quelqu'un. Donc on a une énergie féminine qui a la lumière et qui voit clair sur cette question d'attachement à une personne et de blocage, et qui reçoit d'ailleurs et qui recevra encore des signes, à mon avis, concernant ce premier lien, et peut-être aussi concernant cette deuxième situation. Mais il y a une notion de magicien et de neuf d'épée ici, parce qu'on a quand même une énergie féminine qui veut attirer à soi ce qu'il ou elle veut, donc vous voulez attirer à vous ce que vous voulez, et c'est angoissant peut-être la situation et les signes. En fait, on a une énergie féminine qui doit accepter
que les relations amoureuses, ben, il n'y en aura pas et c'est que de l'amitié, ou alors c'est une relation d'âme-sœur qui est plutôt amicale, ou alors c'est une relation pour faire des projets communs, vie commune, projet ensemble, créativité ou je ne sais quoi, ou alors c'est pour avoir un enfant, mais on finira par quitter le parent, parce que l'autre, peut-être un jour, se débloquera et on fusionnera avec lui dans une réelle passion. Et donc, on se barrera. Et donc, on aura fait des enfants pour se séparer. Donc, voilà. Hein. Donc, le mieux, c'est quand même soit de choisir juste l'amitié sans l'amour, soit l'amitié amoureuse avec des projets concrets, mais qui n'impliquent pas des enfants. Ou alors, c'est de faire des enfants seuls, si on veut des enfants, et on les fait pour soi-même, et on ment pas à l'autre, et on ment pas aux enfants. Et là, ben, tout le monde est clair, est au clair. Donc, on vous parle de changements financiers et matériels. Alors, chez qui ? Peut-être chez l'énergie masculine, peut-être chez l'énergie féminine. Il y a soit des changements de travail, de maison, de comportement liés à l'argent, soit il y a des problèmes à ce niveau-là. On a une énergie, on a une personne, je ne sais pas, peu importe, les deux, qui sont en secret dans leurs petits changements ou leurs petits problèmes, qui changent des choses ou qui ne disent pas parce qu'il y a une volonté d'être en couple avec la bonne personne, de retrouver ou rencontrer la bonne personne. Il y a un poids de la famille, hein, que ce soit du côté du féminin, qui fait ses petits trucs, ses petits bails, mais il y aura toujours des... les amis, la famille, pour dire « Oh, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire comme ça. » Bon, les gens typiques lambda de la société relou, à qui on n'a pas demandé leur avis. Et puis si, côté énergie masculine, bah, c'est la famille qui est un poids, parce que tu veux construire ta famille et t'es heureux avec, et c'est apparemment le principal dans ta vie, mais c'est surtout, principalement, en général, relou. Voilà, c'est surtout chiant. Alors, heureusement, ce poids de la famille va se terminer, les souffrances aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et après, il faut avoir du courage pour avancer, ou... peut-être une certaine maîtrise. Je pense que c'est surtout pour les énergies féminines ici, puisqu'on a deux personnages féminins pour qui le poids de la famille est terminé, le poids des gens, les souffrances, les problèmes, et puis du courage pour faire ce qu'il faut, et de la maîtrise de soi, des peurs, des doutes, pour avancer et changer ce qu'il y a à changer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, moi, je vais prendre quand même celle-ci, reconnaissance et récompense. Alors, je pense qu'on a une énergie masculine qui... Le problème, c'est qu'on a une énergie masculine qui se sent reconnue dans son petit... clan, sacrifice à la famille, à l'argent, à la société. Enfin, cette personne est reconnue et appréciée. Hein. Ben oui, parce que tout le monde fait comme ça. Donc tout le monde est content que cette personne reste là et fasse comme ça. Donc forcément, cette personne a un travail, a de l'argent, a des amis, a une famille, a un couple. Et tout le monde est content que cette personne soit là. Donc cette personne n'a aucune raison de partir, sauf évidemment, si cette personne reconnaît que c'est pas ça le plus kiffant dans la vie. Non, ce qui est sympa en amour, c'est la sexualité passionnée. Ce qui est sympa avec les gens, c'est les projets qu'on a envie de faire. Et ce qui est sympa dans tous les cas, c'est la liberté et le bonheur et le plaisir et pas la pression et les poids et les menottes. Mais bon, faudrait-il encore le reconnaître. Donc, on a quelqu'un ici qui est content de sa vie. Peut-être des fois se pose un peu de questions, mais pas tellement. Et puis, on a des énergies féminines qui reconnaissent que c'est autre chose. La vie, le bonheur, ce que ça devrait être autre chose, et qui reconnaissent que l'autre, ben, un, n'est pas prêt, ne le sera peut-être jamais, mais deux, il y a quand même un lien et pourrait l'être un jour. Alors, comment on fait ? Ah, ben, on le garde en tête et on ment pas aux enfants ou à quelqu'un. On lui dit, je te rends compte, mais j'ai quelqu'un en tête. Ou, coucou mon enfant, mais j'aime quelqu'un d'autre qui va peut-être un jour me rejoindre. Voilà ce qu'on fait. Voilà. Histoire que tout le monde soit dans la vérité, dans la lumière. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite, eh bien, une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.